Coucou, donc j'ouvre ce vlog du mois de juin. Nous sommes samedi 4. Alors là, j'ai rendez-vous pour faire les retouches de mon tatouage à la cheville, là, les petits ballons astres. Donc là, j'ai rendez-vous à 10h. Je suis devant, je viens d'arriver. Et après, aujourd'hui, je vais à une convention qui s'appelle Akatukin, à côté de Perpignan. Et je vous filmerai des petites choses là-bas sur place et tout. J'y vais avec des amis et tout, donc on va passer une bonne journée. Donc voilà, et demain je vais au concert de Danakil à Perpignan, au festival Ida y Vuelta. Donc voilà, ça s'annonce un bon week-end en perspective. Plus il fait super beau, super chaud par contre. Et donc j'ai fait un petit make-up pailleté, fluo et tout. Je me suis dit, tu vas à une convention de pop culture et tout, allez, sois pimpante. Voilà, bon, donc j'ouvre ce vlog ici, même si j'ai déjà filmé une petite partie où je trie vite fait mon armoire. En caméra, je le mettrai plus tard dans le vlog, ça n'a pas d'importance. Donc voilà. Donc je vous retrouve, on est samedi soir. Je sors de la douche, donc je suis en serviette. Et en fait, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui sur place parce qu'en fait, j'étais en train de profiter tout simplement avec mes amis. Je profitais de l'ambiance, je profitais des spectacles et tout. Donc j'ai peu filmé, c'est vrai. C'était la convention Akatukin. C'est tous les ans. Normalement, c'est en février, mais ça a été reporté en juin cette année. Et voilà, du coup, j'ai passé une très bonne journée. Je suis très, très fatiguée par contre. Et voilà, le rendez-vous tatouage s'est très bien passé d'ailleurs. Et c'était une super journée. Là, je m'apprête à remettre des draps et tout dans mon lit parce que ce matin, avant de partir, j'ai tout enlevé et tout pour les nettoyer, enfin pour les laver. Et comme j'étais pas là de la journée, je les ai pas lavés. Donc, je m'en occuperai demain matin. Mais du coup, là, je vais m'occuper de mettre tous les draps et tout, de faire. Peut-être un masque pour pouvoir utiliser les masques de mon Project Fan. Et ensuite, je vais me reposer. Je vais mettre Netflix. Et voilà, fin de l'histoire. Coucou! Donc là, je vais trier mon armoire parce que. Tu veux bien essayer de faire bouger le trépied, toi? Je vais trier mon armoire parce que j'en ai besoin, franchement. J'ai besoin d'un coup de frais dans cette armoire. J'ai acheté plein de nouveaux shorts. Pour pouvoir me débarrasser des autres qui étaient pas bien et tout, ou pareil pour les sous-vêtements et tout. Donc là, je vais tout trier.
sur la vie propose. On se retrouve. Alors, j'ai coupé un petit peu mes cheveux cette semaine. Je vous retrouve, on est dimanche soir et je suis allée me faire couper les cheveux jeudi après le travail. Parce qu'en fait, là, vous voyez, ça arrivait là, mais en fait, vraiment, ça m'arrivait hyper loin. Et quand c'était genre bouclé comme ça naturel, ça venait dans mes yeux, ça m'a saoulée. Donc, j'ai dit, il faut que je coupe parce que là, je vais avoir trop chaud en été. Et comme je travaille, j'ai pas envie que ça me gêne. Donc, cette semaine, mercredi et samedi, j'étais en essai formation pour un emploi saisonnier que j'aurai cet été. Donc là, demain, je dois y aller. En fait, je vais travailler pour la brasserie Capdona. Donc, c'est une brasserie où on fait de la bière. Mais en fait, moi, je travaille au côté bar et boutique. Voilà, donc là, au mois de juin, je vais y aller quand je ne travaille pas aux écoles. Et comme ça, juillet, août, je serai en temps complet. Voilà, parce que... j'ai besoin d'argent, donc voilà. Et du coup, ça s'est bien passé et tout. C'était intense, mais ça s'est bien passé. J'ai rencontré mes nouveaux collègues et tout, donc ça va, on s'entend relativement bien. Voilà. Et là, en fait, je suis en train de m'inquiéter, on va dire, pour mon programme de cet été. Parce qu'en fait, cet été, sur Instagram et en parallèle sur YouTube, en fait, je compte faire une série sur les films d'animation, sur les films d'animation DreamWorks, entre autres. Mais en fait... ça c'était avant que je trouve un emploi, sachant que je savais déjà que je devais trouver un emploi, enfin bref, je cherchais pas. Et du coup j'ai déjà filmé deux make-up parce qu'en fait je compte les faire tous en vidéo, mais vous savez, accélérer avec de la musique sur YouTube, et comme ça après le look, je fais des photos et je le mets sur Instagram cet été. Donc j'ai commencé à en faire deux, j'avais fait une totale impro, c'est pas... enfin un est mieux sorti que l'autre, enfin vous verrez ça de toute façon là le mois prochain, puisque ça commence... sur Instagram, ça commence normalement le 4 juillet et le 9 sur YouTube. Donc voilà. Et du coup, en fait, ce que je compte faire sur YouTube, c'est regrouper trois fois, enfin trois make-up, faire une vidéo, donc trois make-up accélérés avec de la musique sur YouTube. Et du coup, en fait, c'est les trois vidéos de la semaine. Donc chaque semaine, trois make-up sur Instagram et la vidéo le samedi sur YouTube. Vous me suivez? Mais du coup, j'ai décidé de un petit peu m'organiser. Et du coup, j'ai fait des espèces de croquis, sachant que je dessine très mal. Et que je fais jamais ça pour les prochains. Donc là, vous aurez un petit spoil de ce que je compte faire. Mais en gros, les premiers que j'ai fait, c'est... enfin, je vais pas vous le dire du coup. Mais après, je compte faire Spirit, Gang de requins, Turbo, les Croods. C'est les quatre suivants que je dois préparer. Du coup, je me suis fait une petite feuille comme ça. En fait, j'ai divisé la feuille en quatre. J'ai écrit le film. J'ai fait une espèce d'œil fermé avec le sourcil, sans oublier. Et j'ai esquissé ce que je compte faire sur mes yeux. Alors, je suis pas sûre que tout fonctionne bien parce que, voilà, il y en a avec plus de détails que d'autres selon le film et le personnage. Mais, je me suis coupée tout à l'heure, ça me fait mal. Mais, bon, voilà, je prépare ça. En fait, de base, je voulais acheter, vous savez, un livre où il y a des face charts ou je sais pas quoi. Enfin bref, là où il y a des visages déjà dessinés. Sauf qu'en fait, moi, je me concentre beaucoup sur les yeux parce que sur le teint, en vérité, je fais jamais rien de spécial, c'est vrai, où j'écris le nom du film ou quoi sur ma joue, tout ça, mais je veux dire, je fais rien de spécial sur le teint qu'on travaille, c'est que sur les yeux. Du coup, j'en ai pas acheté de cahier là comme ça, et je le fais là comme ça, je prends des feuilles chez moi, j'ai pas de feuilles blanches, donc je prends des feuilles comme ça, et je le fais comme ça. Franchement, pour moi, c'est pareil, ça évite de gâcher du papier.
Et du coup, voilà. Là, j'étais en train de faire ça. Et ouais, tout à l'heure, je me suis coupée là. Ça me fait mal. Bref, voilà. Et là, j'ai la peau de l'ongle. Je sais pas si vous allez voir. J'ai la peau, vous savez, là, du bord de l'ongle. Je sais pas si... Bref, en fait, qui s'arrache. Et genre, elle est toute petite. Et genre, elle arrête pas de... Tu sais, genre... Vous savez, genre, de s'arracher comme ça. Ça me fait trop, trop mal. Je pense que demain, je mettrai un pincement. Mais là, genre, je vais essayer de sécher. C'est comme là, ici. Genre, je me suis coupée tout à l'heure, en fait... J'ai voulu une feuille ma friteuse parce que je l'ai utilisée plusieurs fois et tout. Donc, au bout d'un moment, ben, je change l'huile et puis je la nettoie. Et du coup, en fait, ben, je risque pas de changer d'huile parce que là, de l'huile à friteuse, je n'en ai pas. Mais soit. Et en fait, le couvercle, quoi, la partie qui se ferme du dessus, là où il y a genre l'espèce de filtre et tout, là, pour la vapeur d'huile et tout, en fait, cette partie, elle se décroche de ma friteuse pour que je la nettoie. Mais en fait, j'arrive jamais à bien la nettoyer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé, parce que se dévisse, c'est comme deux parties. Mon copain qui joue. Et du coup, bah, je l'ai dévissé et j'ai tout nettoyé à fond, je l'ai récuré. Sauf qu'en fait, il y a une partie métallique. Et à l'intérieur, genre la partie qui est normalement sur le. Enfin, à l'intérieur, quoi, qu'on voit pas. Et bah, en fait, c'était un peu tranchant. Et en nettoyant, je me suis coupée. Enfin, vous allez pas voir là, mais en fait, j'ai la peau qui se relève et tout là. Ça me fait trop mal. Ça pique, quoi. Enfin, voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour ce soir. Là on est dimanche soir, ouais, cette semaine ben, je travaille, samedi soir, enfin vendredi soir, après la répétition de théâtre, on va manger avec la troupe, enfin ben, ceux qui peuvent venir quoi, un petit restaurant El Tap à Morillas, et ça va être cool, et samedi on joue à Torreille, enfin on joue à Torreille, c'est loin de chez moi, enfin c'est loin de chez moi, c'est genre une heure de chez moi, ça me fait chier, parce que c'est loin et tout. Mais bon, ce sera bien. Je pense que ça va bien se passer. En tout cas, moi, je me sens en forme pour jouer et tout, donc c'est bien. Voilà, j'espère que j'ai passé une bonne semaine avec les enfants à l'école parce que là, en fait, on a des projets. Ben, c'est la fin de l'année et on monte une pièce de théâtre avec une de mes classes de CE1, CE2, en catalan, évidemment. Et du coup, là, on est à fond sur ça parce que c'est le 21 qui joue. Donc, le stress, il monte et tout pour les enfants et pour nous aussi. Et après, là, avec les petits-enfants de maternelle, on prépare le spectacle de fin d'année. Donc, on apprend une chanson et une chorégraphie. Je prie pour que ça se passe bien, quoi. Parce que ben, c'est des petits. Ça va des tout petits aux grands. Et c'est pas forcément évident pour ceux qui travaillent avec des enfants, vous le savez. Bref, voilà. Donc, je vous laisse là pour ce soir. Et je vous reprends, je sais pas quand. Donc on se retrouve, on est le 21 juin, donc on est samedi, je vais vous poser sur ma table là. Hop là. Donc les images que vous avez vues avant, c'était pour les feux de la Saint-Jean. Donc chez moi, en Catalogne, on va chercher la flamme sur la pique du Canigou, donc notre montagne, où elle y est toute l'année. Et on la descend jusqu'à la ville. Et ensuite, plusieurs associations viennent la récupérer pour l'amener dans plein de villages pour qu'un maximum de villages aient accès à cette flamme. Et c'est avec cette flamme qu'on allume les feux de la Saint-Jean. Donc, les feux de la Saint-Jean, c'est une tradition millénaire européenne, en fait, pour la célébration du solstice d'été. Et en fait, par le feu, on veut symboliser, en fait, on veut brûler tout le mauvais de l'année pour avoir une belle année à venir. Donc voilà, et après plus tard ça a été christianisé pour l'honneur de Saint Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'on dit les feux de la Saint-Jean parce que c'est le jour de la Saint-Jean, voilà, tout simplement. Et donc moi ça fait 7 ans que je suis ambassadrice de la flamme du Canigou et donc je parcours la zone d'Ozone en Catalogne pour aller allumer les feux de la Saint-Jean avec la flamme du Canigou. Voilà, donc dans mon vlog de juin l'année dernière je vous ai déjà expliqué tout ça, donc voilà. Et franchement, c'était encore une fois super bien. Par contre, j'ai chopé des coups de soleil que j'ai pas envie de parler parce que c'est vraiment horrible. Mais bon, c'est de ma faute. Donc voilà. Du coup, là, on est le 25. On est le matin, il est 8h et tout. Il est 8h à peu près. Et je vais clôturer ce vlog parce que il faut que je le monte et que je le programme parce qu'il va sortir là vraiment très bientôt. Et voilà. Donc là, je me suis préparée pour aller au travail. Et je vais bientôt partir.
J'attends que ma machine soit finie de... Enfin, j'aimerais bien éteindre ma machine avant de partir au travail, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Bref, soit. Donc, voilà. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!